Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui m'a été demandée par mon cousin. Donc ce sera une vidéo sur les différents tickets dans Animal Crossing New Horizons. C'est parti! Les tickets clochettes. Ce sont des tickets que tu peux acheter au Nook Shop dans Échanger des Miles et ça coûtera 2000 miles. Ensuite, tu peux les revendre à la boutique Méli-Mélo et ça te fera une certaine somme d'argent. Les tickets Miles Nook. Ce sont des tickets qui peuvent te servir à entre guillemets deux choses. Tu dois aller à l'aéroport pour les utiliser, ça t'amènera sur une île mystère où tu auras non seulement plein de ressources et si tu as une parcelle de libre sur ton île, il y aura un habitant. Ticket atelier couture. Tout d'abord, pour te les procurer, ce sera Coussette qui va te les donner parce que oui, Coussette peut être sur la place. Tu devras lui parler et elle te demandera de t'habiller d'une certaine manière, d'un certain style. Et une fois que ça lui plaira, elle te donnera ce fameux ticket. Avec ça, tu pourras aller à la boutique Sœur Doigt de Fée pour t'acheter un vêtement de la valeur de 3000 clochettes, comme j'ai dit précédemment avec ce ticket. Ticket Sarah. Ce ticket, c'est Sarah qui va te le donner. Donc Sarah, c'est un personnage dans Animal Crossing, je pense que tu l'auras deviné. Elle vend des tapis, des sols, bref, elle vend de la tapisserie. À un moment donné, quand tu lui auras acheté pas mal de choses, elle te donnera un ticket. Et au bout de 5, tu auras le droit à un tapis mystère qui est bien sûr varié. Le dernier est le ticket rêve clochette. J'avais déjà expliqué un peu à quoi ça servait, mais c'était dans un autre contexte. Donc je vais vous le réexpliquer. C'est quand tu remets ton île à jour auprès de Serena. Le lendemain, tu auras dans ta boîte aux lettres un petit cadeau de sa part. Et dedans, ce sera ce fameux ticket. Tu pourras le vendre à la boutique Nook pour une certaine somme. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si toi aussi tu as une question comme mon cousin ou que simplement t'aimerais que je parle d'un certain sujet dans une vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire. J'essaierai de le faire le plus vite possible. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, j'espère que vous serez là. Bye!